volant en règle avec le permis. Donc on est obligé, nous sommes obligés de prendre du 14 jours. Puisqu'on pêche 8 jours et demi, on est obligé de passer au 14 jours. Et on est à 180 $ le permis. Cette année, le permis ne nous donnera le droit que à pêcher le king, mais la rivière est totalement en catch en wheelie. C'est-à-dire qu'on prendra autant de poissons que l'on veut, en espérant qu'il y en ait beaucoup, mais on les relâchera tous, on ne tuera aucun poisson. Voilà. Donc après, on va donc décoller directement d'ici pour à peu près 1h15, 1h30 de vol. Voilà. Si tout va bien, dans 2 heures, nous sommes sur la rivière. Every day is a fantastic day. Some days are just better. Notre grand hôte, donc Chris. Chris, qui est là depuis 2008, Chris, yes. You're here. 2008. Chris est là depuis 2008 avec sa femme Sarah, qu'on va découvrir dans un petit moment. Et Mathieu, 5 ans complets, été comme hiver sur la rivière. Il fait la saison hivernale et il fait la saison de pêche tout l'été. Et Tom, qui lui est là pour la première année. Voilà. Donc voilà nos 3 guides sur lesquels tous nos espoirs vont se reposer. Feliz Navidad! Very professional guide. Not professional. It's my first time. Amoureux de l'Alaska, oui, on peut le dire. C'est un pays extraordinaire. Où vraiment on retrouve une sensation sauvage, on retrouve quelque chose que nulle part, je pense, ou dans peu d'endroits, on peut retrouver comme cela. C'est un pays immense avec très peu d'habitants, ils sont 1 million d'habitants et encore localisés dans 2 ou 3 villes très importantes comme Anchorage, où il y a déjà 250 000 habitants. Donc il y a très peu de villes, très peu de villages. On est vraiment sur de la grande nature, des très grandes rivières, des chaînes de montagnes monstrueuses. C'est vraiment immense. Putain, il y a de l'eau. L'année dernière, là, c'était quasiment sec. C'était une flaque. Ah, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Jazz. Hey, Jazz. Hey, Jazz. Là, tu es sur le Tal Vista Lodge, et donc c'est la maison de Chris et Sarah. Ils vivent là toute l'année. Toute l'année, voilà, c'est leur maison. Et cette année, il y a des nouveautés. Il y a du poulailler. Il y a un élevage de poulets et de dindons. Et voilà Sarah. Voilà le véritable patron du camp. Welcome. Sarah. Very glad to see you. An American, yeah. Huh? Yeah, America. Tug, like an American. Yeah. Good to see you. Yeah. Polar bear, the white bear of Alaska, very far up in the north of Alaska. Il y a quand même une grosse incertitude parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'on prend du saumon. C'est un poisson qui n'était pas là. Là, c'est sûr et certain, il y a encore 7-8 jours de ça, les poissons n'étaient pas là du tout, du tout. Ils vont venir, c'est une certitude, mais à nous, dans cette fourchette de 8 jours, de tomber vraiment dans le moment de la remontée. Voilà, donc on sait qu'ils sont là,
Les eaux sont hautes, nous sommes venus installer un petit peu plus tôt parce que les deux ou trois dernières années ont fait qu'on s'apercevait que la saison commençait plus tôt. Donc cette année, nous sommes venus un peu plus tôt. Or, il y a eu un vrai hiver, il y a eu du froid, il y a eu de la neige, donc les eaux sont hautes et le poisson est un peu en retard. Voilà. Donc oui, il y a de l'incertitude, même si les dernières nouvelles sont un petit peu rassurantes. Je pense que pour tous nos amis qui pêchent au lancer, ça ne devrait pas causer trop de problèmes, c'est vrai. Voilà, pour les moucheurs, on risque peut-être d'être obligé d'attendre deux ou trois jours que le niveau baisse, s'il baisse, ce qui devrait être le cas. Le premier run est magique parce qu'on prend du poisson qui arrive dans la rivière. Pour lui, il découvre, même s'il est né dans la rivière, il découvre, il est frais, il vient d'arriver. Et généralement, ils sont hyper agressifs. Alors, ils ne mordent pas pour s'alimenter, puisque ça, ils ne s'alimentent plus du tout. À partir du moment où ils mettent le nez dans l'eau douce, ils ne s'alimentent plus du tout. Donc, ce ne sera que de l'agressivité. Raison pour laquelle on utilise ce genre de couleurs qui ne sont pas très habituelles pour les pêcheurs de truite ou les pêcheurs de saumon atlantique. Soit ce sera des mouches plombées, soit ce sera des mouches que nous allons plomber, mais le saumon pacifique, les cinq espèces de saumon pacifique seront toujours au fond. Donc des lignes qui descendent et des mouches qui sont au fond, toujours en permanence. Polar bear, because the hair is a little translucent in the water, it picks up the light and makes almost like pearlescent, a little extra color. Le Fire Tiger, puis là, celui-ci, qui est peut-être celui qui fonctionne le mieux ici. Monter un tandem comme ça, ou la cuillère toute seule, toujours avec un hameçon simple, c'est un grand classique. Et ça, dans la poche du gilet, prêt à l'action. Père et fils, oui, oui. On est prêt. Ça va être et bon, on espère venir ce soir avec un trophée. Voilà, la cuillère, pêche à la cuillère, exactement la même cuillère en plus. Voilà. Ce rêve-là, ça y est, j'y suis dans mon rêve. Énorme. On va descendre à l'embouchure, là où nous sommes arrivés, quand on a regardé le niveau de l'eau. C'est la confluence des deux rivières, de la Talashuitna et de la Squenta. Donc forcément, les poissons arrivent par là. Et comme ils arrivent à peine, pour le moment, ils ne sont pas encore remontés, donc on va aller là, ou là où on sait qu'il y en a quelques-uns. On est à une grosse centaine de kilomètres de la mer. 100 kilomètres, c'est près, et ça nous permet de pêcher du poisson qui est frais et puissant, qui n'a pas perdu de poids, qui est puissant. Ici, sur le drainage d'Anchorage, il ne va remonter en ce moment que le saumon king. Ensuite, ça va commencer aux alentours de la troisième semaine de juillet et jusqu'au 15 août, 20 août. Il va y avoir la remontée ici sur cette rivière des saumons silver, sockeye, chum et pink tous les deux ans. Les cinq saumons pacifiques remontent et il va y avoir donc quatre espèces qui vont venir entre juillet et août. Les eaux sont montées de 4 à 5 cm. Et bon, on espérait évidemment l'inverse. Bon, ça veut dire qu'en tout cas, on va être obligé de pêcher ici pendant pas mal de temps encore, tant que le niveau... On ne peut pas se permettre de monter plus haut avec le niveau d'eau qu'il y a. Les poules du haut sont inaccessibles. Voilà, la couleur est... Les eaux sont montées, la couleur est restée à peu près propre. À peu près propre, donc on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là. Voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Alors ça s'appelle une banane. Et avec la banane, on va pêcher au fond, on va chercher le poisson au fond. Et vous allez voir que dans 10 minutes, il y en a un qui va s'accrocher avec. C'est pas tellement un moment à pêcher à la mouche. La rivière est haute, trouble. Il faudrait qu'elle redescende un peu. Et là, ça serait impeccable. Un peu de clarté, ça serait mieux. Mais bon, on peut pas non plus... Hein. La nature, c'est la nature. On fait avec. Hein.
Fish on. Fish on. Fish on. Small. Oh yeah. You see? Small one. Yeah, I see. Dolly. Dolly? I think so. Good. Look. Oh. Yes. Come. It's very good. Et alors, voyez? Voilà. Plouf. Très, très combatif. Oh, il est beau, hein. Ok. Yeah. Oh. Yeah, probably. Ah, oh, il est beau. 90. Hey. Oh, 90 il est beau. Ah, il est beau. Ah ouais. Female. Female? Mm. Oh yeah. Got it. Way. Way. Good. Good. There's a boat here. 80. Two more here. Fly. There you go. À partir du moment où il y a du feu, on est bien. On est bien. Il n'y a pas de saumon, mais il y a du feu. On va aller voir sur la sortie de la petite rivière Shill Creek, qui est juste à côté, à 3-4 minutes, 4 minutes d'ici. C'est une petite rivière où l'eau normalement doit sortir très claire. Et les saumons ne remontent pas là pour aller frayer, ils viennent juste là pour se rincer, ils restent quelques heures ou quelques jours dans certains cas, ils se rincent bien les ouïes, ils reprennent la rivière et ils remontent. Pour choisir la destination King, évidemment, là, il va falloir trouver une remontée qui vient de la mer forcément. Le gros drainage que nous prenons, nous, c'est celui qui vient devant Anchorage. Les saumons vont rentrer dans la rivière qui est le Susitna. Susitna, ils suivent sur la Yentna, ensuite la Squentna et la Talashulitna. Donc ça leur fait une remontée d'environ 100 km de la mer, ce qui paraît beaucoup comme cela, mais en réalité c'est peu. D'autres continuent sur la Squentna pendant encore plus de 100 km au-dessus. Et on peut retrouver encore des remontées de saumon à 400-450 km d'Anchorage. Tu vois juste là, tu vois là, l'entrée de Shill Creek, l'eau va être forcément claire. Donc c'est tout petit, il y a très peu de postes. Ah, ça va être beau. Déjà, au niveau de la couleur d'eau, il n'y a pas de doute. La rivière n'est pas rentrée à l'intérieur. C'est bien Shill Creek qui envoie de l'eau douce. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ce coloris qui va avoir un petit peu tendance à contraster. Là, par contre, là, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, c'est de l'eau morte. Donc, il va falloir animer en permanence. Donc, ils ne peuvent pas monter. S'ils vont au bout, derrière, là, ça fait une deuxième petite vasque. Ils sont obligés de rentrer, de tourner, de sortir et de repasser par là. Hervé, ça y est, c'est parti. Super. Petit saumon. Content, ça commence bien. C'est bon, c'est fait. Fish on. Non, petit poisson. C'est un petit saumon. Make a good time. Shill Creek.
Paradise. Alaskan Paradise. Hey. Yeah. First cast. Boom, boom. Cool. A good plan? Good plan. Secret plan. Very good. Ça fait plaisir, hein. Qu'on vient ici, le temps de descendre du bateau, on voit trois saumons qui marsouinent, donc c'est plutôt de bon augure. Hervé a fait deux lancers, il a pris un saumon, et nous ici, au premier lancer, on a pris notre saumon. Voilà. Ça commence pas mal. Il y a un beau poisson là-bas. Oh, il est joli. Il est plus rouge que les autres, parce que ça, c'est forcément un poisson donc qui a déjà quelques jours de rivière. Il a quitté la mer depuis plus longtemps que les autres. Plus les jours passent, plus ils deviennent rouges. Ça, c'est un poisson qui a peut-être déjà une petite semaine de rivière. L'intérêt, c'est de prendre ce qu'on appelle des chromes, nos amis américains appellent des chromes, donc des poissons qui sont le plus frais possible pris de la mer, et des poissons totalement argentés. Et là, et ceux-là, évidemment, ils n'ont pas perdu de poids, ils sont en pleine puissance. Et ça, il y a quand même c'est le trophée. Le chrome, c'est le trophée. Oui. Fish on. Cool. Oh. Oh là là. La 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 la. Oh. Bigger, joli, ouais. Bigger. Bigger. Yes. Oh. Merveilleux. Ouais, fais un bisou, ouais. C'est là, ouh, ça remonte le moral. This is good. This is good. Ils ont une patate, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il n'est pas gros et tu n'arrives pas à le bouger. C'est vraiment un vrai bonheur. Là, il est un peu plus gros. Ouais, c'est la taille au-dessus, oui. Oui, cool. Le plan de Chris, comme toujours, a été très efficace, de bons conseils. Voilà. Merci, Chris. One hour ago, the fishermen were very wet and very... Now? Like a little girl at Christmas. Ah oui, il est beau. Ouais, ça c'est un très très beau poisson. Yeah. Nice fish. Very good fish. Alors, qu'est-ce que vous avez pris? Deux, trois. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pa, pa, pa. Six, quatre,
photo, film à la main. Non. You are correct. On en a mesuré un à 88. Impressionnant. Elle est comment l'eau? Elle est à Schilt Creek, elle est bien. Elle est claire? Elle est claire. Elle est claire. On a pris des poissons qui font entre 50 et 65, hein, 65, 65 ans. Allez, de 50 à 70. Tu vois, 50, 70. Sauf, je pense que c'était le plus gros, 88. Bon, j'avais dit que j'allais faire un siesta. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Petit déjeuner maintenant. This is a penne pasta with a rose sauce baked with some meatballs. Les rivières pour le saumon king sont ouvertes sur un mois. Alors l'ouverture peut se faire comme sur la Kenai au mois de mai et sur la Talasholitna en juin ou sur la Mutchatna fin juin, mi-juillet, en fonction évidemment de l'éloignement des rivières par rapport à la mer. Mais quoi qu'il en soit, les rivières sont ouvertes pour un mois. Saumon, my first. La bonne nouvelle, c'est que la Squintna est restée à sa place, donc Schilt Creek donne toujours de l'eau claire, ça c'est la bonne nouvelle. Les saumons, ben, notre ami Philippe vient de prendre son premier. Donc, voilà. Feliz Navidad. Merci à la voiture. Voilà, super. Yes. Like this. Feliz Navidad. Ta da ta ta. I'm very happy. Bye bye. La journée est bonne. Ça fera le deuxième pour ce matin, c'est bien. En espérant faire un troisième, peut-être. Many good pictures. Super. For sure, super. But no, fantastic. Fantastic. Ça fait six fois que je reviens ici. Je m'amuse toujours autant avec toutes les personnes d'ici. Et puis le coin est fabuleux. Faut reconnaître qu'on a un cadre fantastique. On n'est pas embêté par la télé. On n'est pas pollué par tout ça. Et c'est formidable.
La remontée se fait souvent la nuit. En ce moment, on en a très peu. On a deux heures de nocturne par jour. Mais malgré tout, pour leur horloge biologique, c'est quand même la nuit. C'est un moment de fraîcheur. Et aussi, ça correspond avec les marées. Ils remontent par vagues. Ce sont des runs de poissons qui peuvent être de quelques dizaines ou plusieurs centaines. Ça peut être un pic de 2 ou 3 jours, ça se calme et ça repart. Et tout ça, ça va être étalé sur 3 bonnes semaines. Come and get it, baby. Tous les matins, quand on attaque un poulet à saumon, est-ce qu'il a été rempli de la nuit? Est-ce qu'il y a eu de la visite? Un poulet qu'on a vu vide cet après-midi peut être plein de saumon demain. Je ne sais pas comment il faut, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de moulinet. Valérie voulait s'essayer à la mouche depuis longtemps, et voilà, premier saumon, donc très content, ouais, très très content. Very first. Now, we have booked a fisherman. No more. Super content, ouais. La pêche à la mouche, c'est the only way to fish. Bingo, bango! Moi, je suis là! Bon! Comment tu tiens le moulinet? Tu le tiens comme ça. D'accord. Sur le freinage, tu tiens là. Si tu mets là, ça va pas. Bon, bah, je prendrai ma canne demain, voilà quoi. Il n'y a plus qu'un. Parce que le maître. C'est le premier d'avettre. Là. Tu l'as? C'est un beau poisson. On va le lâcher. Regarde qu'il y a des cannes partout pendées par terre. Voilà. Les gros arrivent. C'est le premier de 1 mètre qu'on prend là. Donc on espère en prendre d'autres. C'est un beau poisson, regarde. Beau poisson. La façon qu'il garde le fond, c'est vraiment un beau poisson. Oui, oui, il est bien au fond. Ouais, oui, beau poisson. C'est un grand moment de plaisir. La chambre est 65-70. Ah, c'est lui le chef là. Oh oui, rien que la queue. Ah oui, oui. Magnifique. Yes. Oh, qu'il est beau. Celui-là, il est beau. On va le mesurer, celui-là. Celui-là, il est... Ouais, celui-là. Ah, il est content. It's a never-ending story. Many fish. 104. Combien? Il fait 103. Donc voilà, un joli king de la Talashulitna. Voilà. 1m03, 15-16 kilos environ, d'après Chris, notre boss. A big fish, I get a bon camarade. Yeah. Matthew.
coquin, il est beau. Alors c'est bon pour moi aussi. Thank you. Yes. Very good. Bien. Très dur. Voilà. Ça va, ça risque de devenir un peu compliqué. Ah. Ça monte à une vitesse impressionnante. La plagette que nous avons mangée hier à midi, demain, le sera certainement sous au moins 30 cm d'eau. Au moins. What I am making here are salmon patties, which is a sockeye salmon. Mixed with the secret ingredients, and it is like a little salmon burger. Everybody is very wet and very cold, and they want a hot meal. Ça, c'est une loutre. Enfin, il me semble, en tout cas. Mais par contre, c'est très doux. Hein. C'est magnifique. Alors, c'est du castor. C'est du castor. C'est du castor, voilà, il me semblait bien que j'avais dit une connerie. il trappe, ouais, voilà, tout l'hiver, mais c'est la première année où on en voit autant. Enfin moi, ça fait 6 ans que je viens, je n'ai jamais vu autant de peau. Il en a énormément là. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais bon, très doux comme... Ce matin, nous sommes venus ici pour réceptionner Georges Dizeran, qui est un de nos fidèles clients suisses, et évidemment notre patronne Marie. The big boss. L'hydravion va être obligé de venir se poser ici, de venir se poser là, par rapport à la puissance des eaux. Donc il faut en aucun cas que l'hélice vienne percuter tous les branchages, etc. Il faut sécuriser la zone. Voilà. Ça y est, il arrive. Bon, voilà, donc ça va. Ça devrait bien se passer. Voilà Georges et Marie. L'équipe est au complet. Là, tu nous as amené de l'eau, mais tu es gentil. Martin, nous cherchons. Mais l'eau qui apprend là, mais l'eau qui apprend là. Dis donc, c'est un truc de malade. La talle, tu ne la pêches pas, même pas à la cuillère. Tu attends que je vienne ici pour me dire. C'est bien là-bas dans la. Attends. Bonjour. Monsieur. Comment va Marie? Bah, moi ça va bien. Ça va. Enfin, on est là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du sud. Hello. How are you? I'm fine. I'm better now that I'm here. That's right. Okay. With that smile, not a lot. Oh dear. Many green peppers, yellow peppers, red peppers, strawberries, all organic, no fertilizer. I love growing plants. Chris et Sarah, je les ai rencontrés en 2009, la première fois que je suis venue ici avec un groupe de pêcheurs au mois de juin, pour le King déjà. Sarah est originaire de Floride et Chris de l'Idaho. Mousse, I shot. Yes, mine was
Chris avait une grosse boîte de TP, partait tout le temps la semaine, voyait peu ses enfants, profitait peu de sa femme. Les mousses I shot. Ce sont des gens un jour qui se sont dit bon, on marche un peu sur la tête et qui ont décidé de tout vendre, de tout plaquer pour partir vivre l'aventure dans le bush en Alaska. This is compost. Fresh, nutrient-rich soil, which makes fantastic fertilizer for the garden. Ils s'occupent de la pêche pendant l'été, mais ils sont aussi chasseurs, bien évidemment. L'hiver, ils sont trappeurs. Et puis, ils sont ici étape d'une très grosse course de chiens de traîneau qui se fait donc à travers toute l'Alaska, qui s'appelle l'Edita Road Trail. I give the chickens fresh grass, natural, and they give me many eggs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eggs. Thank you. C'est vrai que c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Thank you, darling. Au-delà de la relation de travail qu'on a et des clients qu'on leur apporte, on a vraiment depuis quelques années créé une vraie relation d'amitié. Plaisir et voilà, tous les pêcheurs qui viennent là prennent plaisir à retrouver ce beau monde, à leur faire des surprises, à se faire des blagues, enfin voilà, tout le monde se prévoit des choses. Bravo. Taurus Racing Bull en calibre 454 Casull. Ça fait partie des calibres les plus puissants du monde en armes de poing. C'est quasiment un des rares calibres qui peut stopper net une charge d'ours en cas de gros danger. They are for my protection, for my wife's protection. Out here, we call the police. They may show up in 2 days. We are gone. No. I have my gun. You go. Where the moose will lay down for sleep, take a rest, the grass. On est vraiment dans la zone, je ne qualifierai pas de dangereuse, mais il faut être extrêmement prudent ici. Là-haut, on pêche ensemble, on reste ensemble, il ne faut vraiment pas déconner. Il y a énormément d'ours dans le coin. Chris le dit à la fois en plaisantant et en étant très sérieux, ici, nous ne sommes plus des prédateurs, nous sommes des proies. Et il plaisante pas. 44 Magnum. Ça y est, ben nous voilà arrivés. Oh. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes en Alaska et nous sommes sur le lac au Brochet. Nous sommes des privilégiés. Parce que peu de gens peuvent dire la même chose. C'est un cadeau qu'il nous fait. Oui. Et dessous, il y a le lac. C'est de la saigne. C'est creux, dessous, il y a le lac. Ça, c'est nos ours. Il n'y a pas de doute. Et c'est pas vieux. Fish on. J'ai entendu. Eh bien, premier lancer, premier poisson, voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà quand on pêche dans des lacs vierges. We take the pike for, we will make, if the weather is good, cook on the beach for a fantastic meal. Wonderful. Me. Toi, t'en as fait deux? Super.
Les deux de Mathieu. Il a l'air joli en plus, il y en a un. Oui, ils sont beaux les deux. Oui. Mais alors, j'arrive à Mathieu, il me dit, mais là, je fais ça, pof, il me manque. Je rejette, bam, dessus. On fait une photo, il me dit, fais la bordure. Je jette comme ça, ça fait 1m50, bam, de seconde. This one, small. Et ici, Chris, une partie de ce lac, c'est sa propriété. Il est chez lui, là. Voilà, mes premiers brochets en Alaska. Vive Alaska. Fantastique. Thank you, Chris, because here, magnifique. Magnifique. Beautiful. Oh oui, oh oui. Là, je suis en train de découvrir la super surprise que m'ont fait Chris, Sarah et l'équipe des guides. Alors tous les ans, ils me préparent un truc un petit peu rigolo. Et donc là, ils ont passé tout l'hiver à prendre des photos d'eux, complètement nus. Des photos. Ils ont pris des photos tout l'hiver à moins 40. Voilà, voilà. J'ai eu droit à mieux que le calendrier des rugbymen. J'ai eu droit au calendrier des bushmen en Alaska. Là, c'est sérieux, nous sommes en train de déterminer l'ordre d'attaque de la rivière Shell Creek cet après-midi. Deux teams ont été désignés à la courte paille, on a fait deux équipes. Maintenant que les équipes sont faites, qui va attaquer la Shell Creek en premier cet après-midi? Donc, c'est en train de se décider. Voilà. On ne peut pas se permettre d'y aller le groupe entier, il n'y a pas assez de place. Donc, on y va gentiment malgré tout. Malgré tout. Voilà. Putain, on a perdu 13-1. On est lamentable. This is a mouse. Standard cut rabbit. Tail. Underneath, he's got a little red hemorrhoid. It drives the trout crazy. It's that simple. This will catch many trout. This foam here will be completely chewed up by teeth marks by the end of the summer. Marie, I have something for you. What is it? A little mouse? Yeah. Une petite souris for? Tomorrow, yes. We will go to a little spot, uh-huh. Very clear water, uh-huh. And we will try to find a rainbow. Perfect. C'est vrai que quand on part en Alaska, forcément on pense qu'au saumon, mais les rivières sont pleines de truites arc-en-ciel ici. On est en début de saison là, c'est vrai que les truites en fait elles se gavent avec les œufs de saumon, les œufs que les femelles laissent un petit peu. Donc là on est en début de saison, donc elles se réveillent à peine. A priori au mois d'août, elles sont complètement dingues. Donc là Chris me fait pêcher avec ça. Il prépare aussi, il a soufflé le verre à une période de sa vie, donc il nous prépare des petites imitations d'œufs aussi qu'il fait en verre. Donc on les pêche aussi parfois avec ça. I was speaking about the eggs. Oh yeah. Gonna try it. You can do that after the rain. After I catch it. Cast the mouse, not up. Uh-huh. Straight. Right in front, oh yeah. Straight swing. Mm-hmm. Okay, sometimes mm-hmm. just animate. A little. Yes. You okay. Understand? I think I know do. You understand. It's going to bite, they are very hungry. Super. Ton premier poisson d'Alaska, Jean-Luc. Wouhou!
Yes. Fantastic. Oh, elle est belle. Yeah. C'est bon. Magnifique, mais oui. Et c'est le premier poisson de Jean-Luc en Alaska. Yes. Allez, petite fille, on va nous faire plein de bébés. Trout takes it, don't set the hook immediately. Uh-huh. Give him a second. To swallow it. Yeah. So yeah, and it's time to get hooked. Doesn't get any better than that, rainbow fishing on the Tao. Un petit peu le canyon. Les eaux sont un petit peu hautes, donc il y a des coins qu'on peut pas pêcher du bord, qu'on essaye un petit peu en bateau. Oh, that's a big one. Ah, George? Excellent. Donc, du brochet, mais de fish and chips. The special mayonnaise. Que nous venons depuis 2008 sur la Talashulitna. Pour les poissons, pour le côté sauvage de cette rivière et le Talvista Lodge, tenu par Chris et Sarah Pointer. Nous travaillons quasiment qu'avec des Français et avec une équipe de guides de pêche bien rompue à cela. Il n'y a pas de souci. Chris est vraiment quelqu'un... vraiment quelqu'un qui connaît la nature à fond, qui a un respect total de son environnement. Vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'on revient ici? En grosse partie, c'est quand même le pays par lui-même. On vient en Alaska, avec un A majuscule. J'ai commencé à venir en 1993. Donc depuis 1993, c'est la 25e année. C'est vrai que l'Alaska, on appelle ça « the last frontier », la frontière ultime. Ça représente quelque chose et ça représente aussi, quoi qu'on en pense, quelque chose aussi pour les Américains. On a la chance que la rivière ici, pour le King, soit passée en catch and release, ce qui fait qu'à la différence de beaucoup de rivières où, quand on est en saison, bah, les gens d'Alaska, les Américains, vont venir pour remplir un petit peu les congélateurs. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la chance de pouvoir... garder un de ces saumons et le manger pendant le séjour ou le ramener, mais en revanche, on a un avantage qui est immense, c'est de pouvoir être vraiment tranquille sur la rivière. Et c'est ce qu'on recherche, je pense. On
vient pour la pêche, forcément. Mais une fois que les gens font le séjour ici, c'est vrai que l'année d'après, c'est ah, qui est-ce qui revient. Et c'est voilà, les moments qu'ils ont vécu avec Chris et Sarah et les moments au bord de la rivière avec Chris qui sait toujours garder un petit peu l'attention, qui sait motiver les gens quand on est dans des moments un petit peu plus difficiles. Parce que c'est vrai que le King, il y a des moments où ça va taper un petit peu dans tous les sens, des moments où même si le poisson est là, et ben, il va se calmer un petit peu plus. Donc voilà, il y a aussi ce rôle-là qu'il a et qui tient très bien. Sarah nous fait une cuisine fabuleuse. Elle est là aussi pour rigoler avec les gens. Well, it's not a very big king. Bon, c'est quand même, doit pas être un très gros, mais je pense quand même que c'est quelque chose. Jack. Jack. Shit, bah il s'est décroché. Le King, c'est le Chinook, c'est le plus gros des saumons pacifiques. Le record du monde à la canne est dans les 47-48 kilos et pris au filet dans les 52-53 avec des spécimens qui frisent les 1,60 m. Mais la cible pour les pêcheurs qui viennent ici, c'est le poisson entre 1 m et 1,20 m. Ce sont des poissons très 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 gros, très combatifs. Le plus gros, c'est celui que nous avons pris ensemble qui fait 1,03 m. Ça, c'est du poisson très frais, blanc, qui arrive de la mer. Il a passé très peu de jours en rivière. Ce poisson devait friser les 15 kilos. Oui, hein. Oh, il est joli, il arrive vers toi, fais gaffe. Les autres saumons pacifiques, dont ces fameux silver, sockeye, etc., sont des poissons extrêmement intéressants, sont des poissons qui sont vraiment, vraiment très, très, très combatifs. Mais ils sont un petit peu limités par leur poids, par leur masse. Un king est aussi puissant qu'un silver, mais il va peser deux fois et demi plus lourd qu'un silver. Donc cette masse musculaire, plus la longueur, plus le courant de la rivière, fait que ce sont des poissons difficilement arrêtables. Ouais, c'est bien. Ouais, joli, joli. Voilà, un joli, ouais, un beau poisson. Combien ? Bon mal. 1,01 m. Il faut considérer le King comme un poisson trophée en eau douce, oui, c'est évident. C'est évident. C'est le jour du départ et il va falloir attendre un an pour se revoir. Et c'est long. Ça fait 11 ans qu'on se voit et ça fait une petite partie de la vie, 11 ans, c'est quand même pas mal. Et voilà. Et yeah. Un an de plus. Un an de For plus. Sure. Un an de plus. Ok. Ciao, ok. Yeah. Ciao. This day is a tough day. They are not just fishermen. They are part of my heart.